La mort est un acte simple et facile. Il n'y a pas loin de la vie éternelle à la vie terrestre. Cette pièce qui est une succession d'interrogations. C'est les retrouvailles entre deux camarades d'université à la demande d'un des deux, de Gérald, qui est journaliste. L'autre, frère Jean, est devenu moine cistercien. Penses-tu qu'il est déraisonnable de croire en Dieu ? Je renonce au confort de la religion. Comment bâtir un bonheur sur des vies disloquées ? Ce dialogue pourrait être une vraie, véritable guerre, un véritable drame. Mais l'amitié est tellement forte entre ces hommes qu'ils vont passer au-dessus de toutes leurs dissensions. Pour moi, Dieu est mort et je ne l'ai jamais rencontré. Expliquer l'inexplicable, il ne reste que Dieu. Mais la vie, c'est le soleil, c'est l'air pur, c'est l'amour, le regard d'une femme, le sourire d'un enfant. C'est un appel du désir de la chair. Il faut jouir du moment présent. Mais c'est la vie aussi, ma vie. On était fourbus après cette nuit blanche. Fourbus, mais heureux, Gérald. Et moi, je t'aime bien. Et moi aussi, je t'aime bien. Tu crois que je peux guérir ?